Kate Middleton rend visite au Chelsea Flower Show, le 22 mai 2023. L'occasion pour la princesse de Galles de se rapprocher des enfants et de discuter avec eux. À la question de ces derniers sur la vie royale, Kate Middleton donne une réponse concise et lourde de sens. Kate Middleton, une princesse de Galles proche des enfants. Le lundi 22 mai, Kate Middleton s'est rendue au Chelsea Flower Show. L'occasion pour la princesse de Galles, 41 ans, de s'asseoir pique-niquer et de discuter avec les écoliers présents sur les lieux. Pour cette journée passée sous le signe de la communication et de la joie enfantine, Kate Middleton avait opté pour une longue robe rose bonbon plus sème qu'elle avait déjà portée en 2021. L'épouse du prince William l'avait d'ailleurs associée à une espadrille compensée très tendance griffée Castaner Carina. Si la tenue de Kate Middleton a été scrutée comme d'habitude par les observateurs, il n'en est pas moins de ses conversations avec les enfants du Chelsea Flower Show. Les enfants ont demandé à la princesse de Galles comment c'était la vie royale. La maman du prince George, 9 ans, de la princesse Charlotte, 8 ans, et du prince Louis, 5 ans a répondu avec une simple phrase lourde de sens. Il faut travailler dur, a répondu l'épouse du prince William qui enchaîne les engagements officiels ces derniers temps. Rappelons que le pique-nique était également l'occasion pour Kate Middleton de donner un petit aperçu de la vie de l'un de ses fils, le prince Louis, rapporte le Mirror du 22 mai. Kate Middleton, la princesse de Galles est inoubliable contrairement au poids. Kate Middleton a raconté aux enfants que le prince Louis cultivait des fèves dans le jardin de son école. La belle-fille du roi Charles III d'Angleterre, 74 ans, a également dessiné des fleurs et des plantes pour les enfants en guise de signature. Mentionnons également que la princesse de Galles a également connu le succès auprès des Chelsea pensionnés, d'anciens militaires et des femmes présentes dans le jardin de Grégory. Les petits pois sont oubliables, vous ne l'êtes pas, déclare Harry Putick à Kate Middleton. Harry Putick est celui qui a servi dans les Royal Welsh Fusiliers pendant 30 ans. Il faisait d'ailleurs référence aux pois grillés aux herbes qu'il y avait au menu ce jour-là. À propos de l'auteur, l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril.